Il y a quelques jours, lors de la diffusion de ma vidéo qui marquait le retour de ma série Florian en air chez vous, vous êtes plein à avoir laissé plein de pouces bleus, plein de gentils commentaires en disant que vous kiffiez trop cette série. Du coup, écoutez, je pars pas un seul instant. Dès aujourd'hui, deuxième épisode de cette nouvelle saison de Florian en air chez vous. Alors si vous êtes content, n'hésitez pas justement à relâcher à nouveau dès maintenant des pouces bleus. Enfin, on va attendre de regarder un petit peu la vidéo pour voir si elle vous plaît. Et si vous voulez que je vienne chez vous, si vous voulez me préparer des spécialités que vous avez vraiment l'art et la manière de confectionner, n'hésitez pas à envoyer moi un petit mail dès maintenant avec un objet Florian chez vous à florianenr94@gmail.com. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Donc voilà, Florian chez vous, c'est parti. Aujourd'hui, je suis dans le 93, j'ai pris le RER B, je suis à Sevran, la gare de Sevran-Livry. On vient me chercher, je vous donne le programme d'ores et déjà, spécialité Sri Lankaise et indienne. Et regardez qui m'accueille aujourd'hui dans ce nouveau Florian chez vous. Bonjour, c'est lui. Bonjour. Alors vas-y, présente-toi. Alors moi, c'est Murali. Enchanté Murali, t'as quel âge? J'ai... Ah, tu veux pas dire ton âge? Si, c'est pourquoi tu fais plus vieux ou tu fais plus jeune? Je fais plus jeune. Tu fais plus jeune? Alors vas-y, dis. 41. 41, bah ça va, pourquoi t'as honte de 41? Qu'est-ce que ça sera quand t'auras 50? On verra. Ah non, c'est bien 41, c'est nickel. Tu fais quoi dans la vie? Je suis postier. Ok, postier, et alors toi aussi, passion cuisine. C'est-à-dire que t'aimes bien te mettre derrière les fourneaux pour le kiff. Si, j'adore manger. D'accord. Et cuisiner aussi. Super. Et tu m'as dit. Ils aiment bien manger, mais ils aiment pas cuisiner. C'est mon cas. C'est les deux. Voilà, toi, c'est les deux, c'est génial. Il paraît que le plus souvent, c'est les deux. Donc, toi, tu es d'origine, tu m'as dit. Je suis de Sri Lanka. Et tu m'as proposé de venir pour me faire des spécialités. Voilà, alors, indienne, ça. Sri Lankaise, un peu. Indienne, Sri Lankaise, machin. J'ai une chaîne YouTube, donc je mets des vidéos. Ah, tu fais ça, ok. Tu t'es lancé sur YouTube aussi. Voilà, c'est ça. Ah, bah, c'est génial. Cette, en français. Et ben, on va goûter. Donc, tu vas tester. On va goûter. Et si c'est bon, je vous mettrai le lien de la chaîne. Ok. Sinon, je vous mettrai pas. Et ce qu'on va faire même, c'est que si c'est vraiment bon, non seulement je mettrai le lien, mais je donnerai ton adresse pour que les gens viennent manger chez toi. Mais non, je ne serai pas là. Non, viens, je vais te montrer ce que j'ai déjà préparé. Hein. Ah, là on est dans la cuisine. Yes. Oh là là, il y a les... Alors là, il y a les entrées. Tous les jours, un truc que je kiffe. Les beignets de poulet aux épices indiennes. D'accord. Là, c'est des rolls. Ça, l'agneau aux pommes de terre. Alors ça, c'est des samosas au poulet. Mm-hmm. Ça, c'est des katlats. C'est du thon et de la pomme de terre. Murali, t'as fait combien de plats? Il y en a pas mal. On va y aller en mode dégustation alors. Voilà, c'est ça. Tranquille, ouais. Et après, pour commencer, je t'ai préparé un lassi, lassi mangue. Ah oui, alors dis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le lassi. Alors, lassi, c'est une boisson qui est très demandée dans les pays chauds, hein, en Inde et au Sri Lanka. Alors, c'est à base d'un fruit, donc là, j'ai pris des mangues. Ouais. Yaourt nature, du lait, du sucre. D'accord. Après, un petit chouïa de cardamome. C'est une boisson qui cale un peu quand même. Hein. Qui cale un petit peu. Regarde, il m'a fait la belle présentation là. Oh, ça fait du bien. C'est vrai que c'est, moi, j'aime bien, ouais. C'est vrai, c'est super rafraîchissant. Ouais. Toi, t'es plus salé ou sucré? Moi, je suis plus salé. Ouais, moi aussi, je suis plus salé. Salé et épicé. Mais, oui. Mais en boisson, ça comme ça, c'est bon. Ah, tu manges très très épicé? Pour moi, normal. Pour toi, c'est. Ah, ouais, c'est ça. Moi, je vais cracher du feu. C'est pour ça que tu y allais mollo aujourd'hui. Merci, hein, merci. Non, tranquille. T'apportes quelques pièces pour commencer. Bah, oui, bah. Tu sais quoi? Là, t'as bien fait de me montrer tout ce qu'il y avait. Parce que maintenant que je sais tout ce que t'as préparé, je vais essayer de pas faire mes erreurs de débutant, de me caler d'entrée et de fou, là. Parce que si je veux goûter un petit peu à tout, c'est vrai que moi, quand j'ai ça. Quand j'ai les samoussas, quand j'ai tous ces trucs, toutes ces fritures, tu sais, j'aime bien ce genre de choses. Mmh. Ah, tu sais, de quand? Ouais, je suis au courant. Et donc ça, moi, je peux te désinguer ça vite fait, bien fait. Le problème, c'est qu'après... Bah, le but, c'est ça, hein, tu es là pour ça. Hein. Bah ouais, mais bon, le but, c'est de goûter un peu à tout. Le mec, il a fait 25 plats. Faut j'ai essayé de goûter un petit peu à chaque chose, quoi. Le mec, dès le premier round, il remplit l'assiette, quoi. C'est à volonté, hein. Merci, merci. Ouais, bah ouais, ça a l'air, vu tout ce qu'il y a, ouais, c'est clair que c'est à volonté, hein. Bon, bah écoute, regardez la belle assiette qu'il m'a fait. Donc là, on est avec les enfants. Salut les enfants. Bon appétit à tous. Regarde, tu m'as fait un premier round, franchement. Va falloir y aller, hein, parce que là, tous les trucs en friture, forcément, c'est mon péché mignon. Du coup, tu m'as mis un petit peu de sauce, c'est la sauce qui pique un peu, c'est ça? Le chutney, ouais, chutney. Le chutney. Tomate, piment. Ok, très bien. Et du coup, on prend. Du coup, vous mangez avec les mains ou avec les couverts? C'est comme tu veux. Après les rolls, bon, c'est mieux, c'est vite fait, c'est comme les frites. Hein. Ouais. Tu prends avec les doigts et puis voilà. Bon, samosa, c'est pareil. Et je trempe un petit peu dans le truc. Tu trempes un petit peu dans la sauce. D'accord. Tu m'as dit que le roll, c'est quoi?
Alors, il y a de la pomme de terre et de la viande, morceaux de viande. Hein. C'est pas de la viande hachée, c'est des morceaux de viande. Carrément des morceaux de viande, voilà. Ok. Bon, je vais d'abord goûter, tiens, juste sans le chutney pour voir. Ah, il y a des morceaux de viande carrément. Ouais, c'est vrai, ça change en général dans ce genre de truc de friture. C'est souvent de la viande hachée. Et là, c'est quoi la viande, tu m'as dit? Là, c'est de la chèvre. Chèvre ou agneau, des fois je mets de l'agneau. Là, aujourd'hui, comme l'agneau, je vais le faire en grillade. Mm-hmm. Je te mets de la chèvre. Okay, c'est très bon ça. Hein. Chez nous, on met souvent de la viande de chèvre. Alors, on va voir si ça pique tellement, mais tu m'as dit que du coup, tu étais allé mollo. Bien, non, le petit va manger, donc vas-y, mange. On en prend un petit peu, hein, au cas où. Je me méfie de toi. Hein. Après, il y a la dose supérieure dans le frigo, si tu veux. Non, ça va. Ça pique un petit peu. Un petit peu. Ouais. Au départ, j'ai testé, j'ai vu que ça arrachait un peu. Donc, j'ai mis une tomate supplémentaire. Ah, d'accord. J'ai mis une tomate supplémentaire. Mais c'est bien parce que ça rafraîchit un petit peu ça fait un petit peu de frais. Ça, ouais. Tu l'as chauffé. Mmh. Ça, c'est un petit peu frais. Mmh. Et c'est super bon. Bon, allez, je suis chaud pour les boulettes de poisson. Ah, toi, c'est samoussa. Bah, vas-y, hein, on peut trinquer quand même. Hein. Même si c'est pas la même, samoussa, je prendrai après. Boulette de poisson, ça aussi, c'est. Original. Du coup, tu fais comment? Tu haches. Là, aujourd'hui, j'ai mis du thon. Donc le thon j'achète déjà dans les boîtes, donc c'est déjà amené. Ouais, c'est déjà émietté, ouais. Voilà, c'est déjà un morceau. Et après tu fais une boulette et tu fais frire. Après je vais cuire les pommes de terre, je vais revenir les oignons et puis assaisonner avec les épices tout. Très bon. Dans l'œuf, chapelure, friture et dans la bouche. Bah, ça dans la bouche direct, hein. Samoussa à quoi? Là c'est samoussa au poulet, carottes, poulet, pommes de terre, oignons. Très bon, du coup c'est un poulet que tu as fait mariner. J'ai laissé mariner, allez rapidement, une petite demi-arrivée. D'accord, ouais, mais du coup là, c'est un petit goût, tu as fait mariner avec quoi? Par contre, la poudre du curry, curcuma, gingembre et de l'ail haché. Et alors ça c'est des beignets de poulet? C'est des beignets de poulet, ouais, façon genre à l'indienne quoi. Il y a des épices, il y a plusieurs épices, donc je fais mariner pendant minimum 4 heures. Ah ouais. Donc il y a le cumin, curcuma, fenouil, poudre de fenouil, du piment, aujourd'hui exceptionnellement du paprika pour toi, de la gingembre, je fais mariner l'ensemble. Et puis après, 4 heures après, un œuf, de la farine de maïs, je mélange le tout, si besoin un peu d'eau, et puis j'ai fait frire. Ouais, c'est tout petit beignet, bien sympathique. Bon, j'étais raisonnable pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore tout ça qui me fait de l'œil. Mais si je veux goûter le reste, je resterai prudent, je repasserai peut-être en deuxième tour. Moi en dessert. Avant de passer au plat, on va faire passer tout ça. Donc ça c'est le soda du Necto, ouais. C'est le soda du... C'est une boisson du pays, du Sri Lanka. Du Sri Lanka? Voilà, ça vient directement de là-bas. C'est un soda qui se boit... Voilà, ça se vend dans les magasins asiatiques et indiens. D'accord. Ouais, c'est un truc, c'est un peu chimique quoi. C'est un petit soda quoi. Ouais, voilà. C'est comme tout ce qui est Fanta, 7-Up. Ouais, ça va. Non mais regarde, il me ressort encore des trucs, boulettes, rolls, samoussa, j'ai dit je veux me réserver pour le plat, là comme pour l'instant il y a encore des trucs au four. Il me fait mais mange en attendant, mais c'est ce dans le travers dans lequel je ne voulais pas tomber. L'appétit vient en mangeant. Ouais bah ça dépend hein. Bon mais en même temps ils sont tellement bons ces samoussa que je n'ai pas osé dire non. Voilà, je suis faible. Chin. Chin. Ah, et là, c'est les nanes, c'est ça? Ouais, c'est des nanes nature. Donc, on appelle ça des rôtis chez nous. Ouais, ah ouais, les rôtis, c'est vrai. Rôtis, et voilà, du coup, voilà. Ça remplace le pain, quoi. Ça remplace le pain, ou des fois, ça remplace, si c'est le soir, ça peut même remplacer le riz. D'accord. Tu peux manger ça avec un curry de poulet. Ouais, tu mets ta viande à l'intérieur. Voilà, soit à l'intérieur, soit à côté, et puis tu essaies de prendre, voilà, saucer un petit peu. Génial. Ah, approche, parce que là, ça y est, t'as bien rempli la table. Là, il va falloir manger, là. Parce que là, regardez-moi cette table magnifique. Du coup, là, c'est les grillades que t'as faites. Donc, il y a le poulet. Donc, le poulet, il mariné, tout ça. Poulet mariné, passé au four. Ok. L'agneau. Ouais. Grillé. Alors, crevette tandoori. Ouais, on a vu ça tout à l'heure. Curry d'aubergine. Ok. Et sauce tomate, oignon. Donc tout ça, c'est un peu les curry, c'est un peu des accompagnements, c'est ce qu'on mange. Voilà, avec du riz ou les nanes. Ouais. Voilà.
Là, c'est un curry de crevettes. D'accord. C'est un riz spécial sri lankais, fried rice. Avec des crevettes. Des œufs, des crevettes. Là, il y a un peu de poulet aussi. Pour toi, j'ai mis du poulet et des crevettes. Génial. Poivrons, carottes. Là, c'est riz à la tomate. Okay. Là, j'ai rajouté quelques petits pois et des morceaux de carottes. Ok. Et là, c'est un chili chicken. À la base, c'est censé être épicé, mais aujourd'hui, exceptionnellement, ce sera pas épicé, mais c'est un chili chicken quand même. D'accord. Beignet de poulet mélangé avec de la sauce. Ah, moi, j'adore l'aubergine. En plus, toi, c'est trop marrant parce que tu sais tout ce que j'aime. Donc, je suis arrivé, tu m'as dit, je sais que t'aimes l'aubergine, donc je t'ai fait un carré d'aubergine. Après, tu m'as dit, je sais que tu veux pas trop que ça pique, donc je t'ai pas fait trop piquant. Et donc même le curry, on peut genre se faire un petit sandwich avec... Avec le naan. Avec le naan, tu sais quoi, ouais. Je vais commencer avec ça. Je vais prendre un petit rôti. Ouais. Et à l'intérieur, du coup, tu te mets ça, quoi. Ouais, voilà. Et après, tu roules ou tu manges comme ça? Comme tu veux. Bon, bah, nappe, hein. T'attaques avec ta crevette tandoori. Ouais. Très bon, l'aubergine. Et très bon naan, hein. Très bon rôti. Du coup, c'est bon, c'est healthy, le curry d'aubergine, non? Ça va, c'est facile à faire. Il n'y a pas de matière grasse, tout ça, c'est... À part que tu fais frire sinon ça passe. Voilà. Bon, du coup, je prends un petit peu de riz pour accompagner mes grillades. Alors, quel riz? Le riz spécial du chef, là. Tiens, déjà, je vais goûter comme... En plus, ce riz, c'est un plat à lui tout seul, parce que t'as mis des crevettes et du poulet dedans. Et alors, il est génial, parce qu'il sait que... Je n'aime pas décortiquer mes crevettes, que j'ai la flemme de le faire, du coup il les a décortiquées. Non mais toi tu connais ma bio, tu vas être mon biographe officiel. Je vais te laisser écrire ma biographie, tu connais tous mes goûts. Il y a plus de 700 vidéos en ligne. Hein. Ah, il est bon ce riz, il est trop bon ce riz. Avec ce petit goût du coup, c'est parce qu'il y a des épices aussi. Il y a des épices, dedans, ouais, hein. Il n'est pas naturel, il y a pas d'épices. Oh, super poulet. Hein. Tu m'as déjà fait goûter un petit morceau d'agneau. Quand on était en cuisine. Ouais, quand c'était chaud. Ouais. Donc je sais d'ores et déjà qu'il est très bon. Mais vérifions si ça n'a pas changé. Si tu n'as pas fait un tour de passe-passe et si entre temps tu n'as pas pris un autre morceau d'agneau. Ok, bon, on est d'accord, l'agneau c'est la vie aussi. Hein. Crevette tandoori. Elles me font de l'œil depuis tout à l'heure, tu sais. Moi je trouve que c'est légèrement salé là. Un peu trop. Un peu trop salé? Les crevettes? Mon goût, ouais. Non, c'est vrai que les crevettes sont assez salées, ouais, j'avoue. D'habitude, tu saves un peu moins que ça. Ouais. N'empêche que c'est bon. Hein. En tout cas, assiette de ouf. Hein. Je reconnais quand ça va pas. Hein. Franchement, comment? Ouais. Non, après, je peux pas comparer par rapport à ton plat d'habitude. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ouais, c'est assez salé. Ouais. Non, mais tu mérites quand même, tu sais quoi? Pour l'instant, c'est délicieux. Tu mérites quand même d'avoir ton lien dans ma description pour aller voir ta chaîne. Franchement, ce gars là, il arrête pas de me resservir et du riz et de l'aubergine et de la viande et ceci. Et lui, pendant ce temps-là, il est tranquille. Il mange. Tu manges que de la viande. En fait, t'as pas pris trop de riz, toi, c'est ça? Moi, j'ai pas touché au riz. Moi, j'ai pris tout ce qui est viande, crevettes, machin. Même quand je vais dans les restaurants volonté, machin, je vais toujours dans le coin viande, grillade, machin. Ben pas oui. De riz, pas de nouilles, rien du tout. C'est ce que je dis dans mon bouquin. J'ai fait un chapitre justement sur comment performer dans un buffet à volonté. Et dans les trucs, il faut pas se caler avec tout ce qui est pâte, tout ce qui est riz. C'est des trucs qui coûtent pas cher que tu peux manger chez toi. Et il vaut mieux aller dans les vrais trucs. Mais toi là par contre, t'as pas arrêté de me resservir du riz. Regardez-le cet escroc. Comme ces brochettes de crevettes. Il les a un peu trop salées. Il est en train de dire à sa femme, aux enfants, prenez, on vous a laissé plein de brochettes de crevettes. Bon, une fois n'est pas coutume, nous allons terminer sur une note fruitée. Regardez-moi cette belle mangue. Elle vient directement du Sri Lanka? Oui, elle vient du Sri Lanka. Il y a les mangues, il y a aussi le fruit jacquier. Ah, du jacque. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Ça vient aussi du Sri Lanka. C'est génial, ça. C'est arrivé jeudi. Jeudi, si je ne me trompe pas. Et tu m'as dit que depuis jeudi, tu n'arrêtes pas de te shooter à la mangue, quoi. Voilà, depuis jeudi. Tu trouves qu'elles n'ont pas le même goût qu'ici? Qu'ici, ouais, c'est plus sucré. Je trouve que c'est plus sucré. Mais non, t'es obligé de te faire à la main. Hein. À la main? On y va à la main? Essaye avec la cuillère, mais sinon tu vas à la main. Hein. Ok, on y va à la main. Avec les deux mains, sinon tu risques de là. Ouais. Bon, toi, déjà, t'es assez grand. T'as raison. Elle est bien juteuse. Hein. T'as vu le goût? Ah ouais, elle a un goût trop bon. Bon, je viens de réussir à me lever, donc déjà c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Malgré tout ce que j'ai mangé, le mystère demeure toujours intact. Parce que s'il y a bien une enquête à mener ce soir, c'est... Comment cela se fait-il que les crevettes aient été si salées? Parce qu'il arrête pas de réfléchir, il comprend pas. Vous avez goûté, vous avez trouvé salé aussi? Ah ouais, tu vois, tout le monde dit, c'était trop salé. Hein. Comment on fait?
Comment on fait pour que ça ne se reproduise pas? Bah, tu reviens la semaine prochaine. Non, mais franchement, on a trop, trop bien mangé. Un grand merci à toi. C'était super. Un plaisir. Si vous aussi voulez que je débarque chez vous, bah, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. Et puis, je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Murali si vous voulez apprendre à cuisiner un petit peu indien, Sri Lankais et tout ça. C'est sur sa chaîne qui vous donne ses petites astuces. Merci pour l'accueil, merci les amis. À très très bientôt. Du coup, on met un pouce vers le haut là si vous avez kiffé la vidéo, petit pouce vers le haut. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Lair. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Lair. À plus, ciao. On aime regarder Florian. OK. Okay. Alors, tu dis quoi, Florian ?